Qui est Alain? Alain, c'est un philosophe, c'est un professeur, et nous sommes ici à Henri IV, dans la bibliothèque. Et c'est un très bel endroit pour parler d'Alain, puisque Alain a été longtemps professeur en Henri IV, et il commence son enseignement en ce qu'il appelle la plus haute chaire de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire la CAIN, c'est-à-dire les classes préparatoires à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, en 1909, et il finit son enseignement en 1933, lorsqu'il prend sa retraite. Alain, c'est donc un philosophe, le plus notable des philosophes de son époque avec Bergson. C'est un professeur, un très grand professeur, qui va marquer la philosophie française, et c'est également un intellectuel engagé en politique. Alain aussi, on doit l'ajouter, c'est un pseudonyme. Il ne s'agit pas simplement de son prénom, d'ailleurs ce n'est pas son prénom. L'homme s'appelle en réalité Émile Chartier. Il naît en 1868 et il décède en 1951. Il naît en Normandie, ou dans le Perche, dans ces marches de la Normandie que constitue le Perche, dans une ville qui s'appelle à l'époque Mortagne-sur-Huigne et qui maintenant s'appelle Mortagne au Perche. Très très jolie ville, ancienne, sous-préfecture, et il grandit dans un monde très rural. Sa famille est une famille de petite bourgeoisie, de minuscule bourgeoisie, et assez pauvre. Une famille qui souffre des dettes, et Alain très souvent rappellera son enfance un peu humiliée lorsqu'il doit demander du crédit aux commerçants de Mortagne. Il est éduqué d'abord dans un collège privé religieux. Alors éduqué est un grand mot parce qu'il en garde un souvenir misérable quant à l'enseignement. Pensez donc, pour démontrer un théorème de géométrie, on mesurait à la règle les angles du triangle pour montrer que, quand on mesurait, ça tombait bien sur le théorème. L'opposé même de l'esprit géométrique, à vrai dire. Il apprend le latin, il apprend le grec aussi au fur et à mesure, mais il se rappelle surtout une ambiance pesante, d'une religion catholique extraordinairement lourde, et lui-même d'ailleurs est très pieux, il est même enfant de cœur, jusque vers ses 12 ans, et là tout d'un coup il perd sa foi parce que, dit-il, il n'a plus peur, il n'a plus peur du diable, et il dit simplement mon corps était devenu plus fort. Toute sa vie, il conservera une relation ambiguë avec le catholicisme. D'un côté, il sera très laïque, très laïcard, même très opposé à la puissance temporelle de l'Église catholique sur la société française. Il soutiendra les luttes laïques, les lois de laïcité, la politique, celui qu'on appelle le petit père Combes, très très anticlérical, et son admiration pour Combes faillit jamais. En même temps, Alain considérera toujours que cette religion, lorsqu'on la sépare de son emprise sur la société civile, est également quelque chose de magnifique, avec son enfant Dieu fragile, impuissant, son prophète crucifié comme un criminel, qui est une image de la justice, torturé par les hommes. Et cela, il le garde toujours en tête, faisant du catholicisme finalement la clé de voûte de l'évolution des religions, sur quoi il a évidemment un certain préjugé. Après ses études, ses pseudo-études dans sa ville natale, Alain est reçu avec une bourse, il en a besoin, il n'est pas riche, on l'a dit, dans le lycée d'Alençon. Là aussi, ce sont des études difficiles, pesantes. Enfin, il réussit très bien à tel point d'ailleurs qu'on lui prédit un avenir de mathématicien, d'ingénieur, et qu'il obtient une bourse pour l'école polytechnique à Paris. Patatras, si j'ose dire. Il rate son baccalauréat de sciences, mais il a son baccalauréat de lettres. Il rattrape son baccalauréat de sciences directement. Donc Alain a un baccalauréat de sciences et un baccalauréat de lettres à son époque. Et il entre au lycée, qui aujourd'hui est le lycée Michelet, qui à l'époque est le lycée de Vanves, en banlieue parisienne, pour préparer l'école normale supérieure. Il a là une révélation qui est celle de la philosophie, à travers l'enseignement extraordinaire de son professeur de philosophie, Jules Lagneau, à propos duquel il écrira notamment un livre, ses souvenirs concernant Jules Lagneau. Jules Lagneau, pour lui, c'est, comme il l'a écrit pour la
revue de métaphysique et de morale, un génie philosophique. D'ailleurs, il sera très 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 chagriné lorsque, pour la nécrologie de Jules Lagneau, la revue de métaphysique et de morale corrige en disant un vrai génie philosophique. Alain dit un génie philosophique, c'est un génie philosophique, et il découvre la philosophie. Après, on va dire que son parcours est banal, il entre à Normal Sup, il a l'agrégation de philosophie, il devient professeur, et il devient professeur dans des conditions un peu particulières. Car sa génération, c'est ce que j'ai appelé la jeune génération des années 1900, très créatrice en termes de philosophie, elle crée une revue, la revue de métaphysique et de morale, et Alain est très proche des fondateurs, il écrit dans cette revue sous pseudonyme, déjà il écrit sous le pseudonyme de Criton, donc nul ne sait que le professeur Émile Chartier est Criton, il écrit plusieurs dialogues pendant plusieurs années, il fait ce que font tous les agrégés de philosophie de haut niveau font lors de la première période de leur carrière, à savoir qu'ils préparent une thèse, peut-être l'analytique générale, mais probablement ce qu'il explique, c'est-à-dire une traduction d'Aristote, et probablement ce qu'on devait aussi faire pour un doctorat à l'époque, une thèse secondaire. Il ne s'engage pas formellement, mais on voit bien qu'il suit le chemin, et puis les choses vont changer. D'abord, il est nommé en Bretagne, à Pontivy. Alors, il n'y a pas beaucoup d'élèves, il a 3 élèves dans sa classe, alors on pourrait dire que c'est formidable pour un enseignant, mais là, il n'est pas très satisfait parce que débarque dans la carrière d'enseignant, il fait ce qu'on lui a appris, c'est-à-dire des cours magistraux, et des cours magistraux à 3 élèves, ça n'est pas formidable. En plus, il est assez furieux parce que, en tant qu'agrégé, il a failli être nommé dans un poste inférieur, et il trouve que c'est tout à fait injuste. Enfin, très rapidement, il va à Lorient, et c'est là que l'affaire Dreyfus le trouve, et qu'il s'engage en politique très active. Ça va orienter intégralement son parcours. Pourquoi ? Parce que, avec la politique, Alain découvre quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Et au bout de quelques années, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il va devenir journaliste. Pas journaliste chroniqueur, mais journaliste quand même. Ce qui est tout à fait exceptionnel. On a 2 professeurs de l'époque qui écrivent régulièrement dans les journaux, et Alain est un de ceux-là. C'est d'ailleurs pour cette écriture journalistique dans les journaux, qu'Alain choisit son pseudonyme Alain au lieu d'écrire sous son nom personnel Émile Chartier. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi il choisit Alain, simplement c'est un prénom banal, et je n'avais besoin que d'un prénom, c'est démocratique, c'est n'importe qui, sans nom de famille, sans affiliation, simplement le premier nom venu, y compris d'ailleurs alphabétiquement. Alain commence son journalisme actif dès les années 1900. Avec des chroniques assez longues qu'il appelle les propos. Les propos du dimanche, puis du lundi, puisqu'il publie une fois par semaine, le lundi et le dimanche. Là, il explique dans son autobiographie intellectuelle, l'histoire de mes pensées, ça ne fonctionne pas très bien, c'est assez lourd, c'est assez pesant. Il y a des choses intéressantes dans les chroniques de 1900, mais enfin, on retiendra surtout que Alain découvre son pseudonyme à ce moment-là et l'écriture journalistique. Il s'engage ensuite en politique. Et puis, c'est à partir de 1906 que, à la demande de journaux radicaux, c'est-à-dire de gauche, il commence à écrire, mais d'une autre manière. Il dit, d'accord, on abandonne les grandes chroniques un peu pesantes, je vais faire, tous les jours, quotidiennement, des petits textes, très courts, plein de punch, et c'est ce qu'il appelle les propos d'un normand. Les propos forment la masse de l'œuvre d'Alain. On peut dire que dans l'œuvre d'Alain, si on exclut les inédits qui ont été publiés après sa mort, il y a d'un côté une première période universitaire, où il écrit la revue de métaphysique et de morale, il écrit aussi un livre sur Spinoza. Il y a les ouvrages qui vont être publiés après la Première Guerre mondiale, et il y a une énorme masse de milliers et de milliers de propos, déjà écrits chaque jour pour la dépêche de Rouen et de Normandie entre 1906 et 1914, et puis après un rythme qui se ralentit entre la fin de la guerre, entre 1920 exactement, et 1936, où il arrête de publier des propos, il publiera encore des articles dans différents journaux. Donc ça, c'est l'œuvre d'Alain dans sa biographie. La Seconde Guerre mondiale le trouve paralysé, très malade, il écrit son journal qu'on a publié, et on a un autre Alain à ce moment-là. On sent la vieillesse, la pesée de la maladie, également un
l'approche qui se raréfie. Il est aigre, il est acide, il dit des, ce qui n'est pas du tout dans le style d'Alain. Il est très méchant avec beaucoup de gens qu'il a connus, et donc parfois certains sont ses aides. En 1941, il y a un drame qui se produit. La femme avec laquelle il a vécu depuis le début du XXe siècle meurt, Marie-Monique Mort-Lamblin. C'est une perte considérable parce que Marie-Monique servait à Alain de confidente, de secrétaire, de gouvernante. Ils ont été très proches à l'époque. Au début du siècle, il lui a même proposé le mariage et Alain a refusé. Donc c'est une relation à la fois très proche, mais également qui n'est pas maritale d'une certaine manière. Et d'ailleurs, elle entoure Alain d'un respect qui contribue un peu à l'isoler. Donc en 1941, je crois qu'Alain touche le fond et ça se sent les quelques pages du journal qui survivent. 45, c'est à la fois la libération et il retrouve une autre femme qui est Gabrielle Landormy, qui se trouve être la nièce d'un de ses amis d'école normale supérieure et dont elle était très proche et avec laquelle il a eu une relation amoureuse depuis également très très longtemps. Mais c'est une vraie relation amoureuse, tout à fait passionnée. On allait être d'Alain qui ne poèmes d'amour d'Alain. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire de voir ce vieillard qui écrit des poèmes d'amour à sa femme. Et c'est une espèce de résurrection. On retrouve Alain heureux. On ne peut pas le dire autrement que cela. Cet homme qui a, dans le livre, l'ouvrage le plus célèbre, Les propos sur le bonheur, cet homme qui veut que le bonheur soit une tâche, un accomplissement et une volonté, on sent que, entre 1937 et 1945, il s'est un peu perdu, la montée de la guerre, puis l'occupation atteignent son moral et sa morale. Mais à partir de 1945, l'homme redevient heureux, il publie encore quelques textes, dont un magnifique texte sur Ingres, la peinture contre le dessin, c'est un vraiment magnifique texte, aussi également des lettres sur la philosophie de Kant. Et son dernier texte, qu'il écrit juste avant sa mort et qui sera publié juste après, si je me souviens bien, c'est un texte sur Karl Marx. Il n'a jamais perdu l'intérêt pour l'actualité politique. Il lit sur la bombe atomique, il lit sur la guerre froide, et c'est un peu symboliquement qu'il écrit ce tout dernier texte sur Karl Marx, et il meurt en 1951 au Vésinet, où il a une petite maison, sachant qu'il a vécu l'essentiel de sa vie depuis le début du XXe siècle à Paris. Dans cette biographie riche d'Alain, il y a une immense tragédie. Cette tragédie, c'est la Première Guerre mondiale. En 1914, Alain a 46 ans. Il n'est pas mobilisable immédiatement, il n'est même pas mobilisable dans l'actif, comme on dit. Mais il décide de se porter volontaire. Et il insiste pour partir à la guerre, ce qui fait que, alors que par son âge et aussi sa situation, il avait été dispensé de service militaire comme toute sa classe d'âge qui se destinait à l'université, il va être au front. Et donc Alain a une expérience tout à fait unique de la guerre parce qu'il est un homme de son âge arrivé à ce point dans une génération où personne parmi ses amis, ses camarades, ses collègues, personne ne fait la guerre sauf lui, au front. Et il décide de refuser tout grade. Il ne sera pas sous-officier, il ne sera pas officier. Il refuse également de ne pas aller au front. C'est-à-dire que quand on lui propose des postes, soit à l'état-major, soit dans le train des équipages, quand même plus protégé, il refuse. Il servira pendant plusieurs années, 3 ans dans l'armée, d'abord dans l'artillerie, et vraiment au feu, sous les balles, sous les obus, dans un grand danger. Et ensuite, une fois après sa blessure, il est blessé en 1916 sur le chemin de Verdun. Et ensuite, il sert dans la météorologie, ce qui est un travail absolument épuisant et totalement inutile à ses yeux. C'est une ambiance de caserne qu'il déteste particulièrement. Et dans cette ambiance, il décide de demander sa libération en 1917. Imaginons-nous, nous sommes en 1918, 1919, 1920. Alain, parfois, pris de cette formidable pression de la guerre qu'il ne s'est pas vraiment exprimé. Son premier livre ne sera pas sur la guerre, après la guerre. Il parlera rarement de la guerre pendant un certain temps. Il écrira d'ailleurs combien les conversations sont difficiles pour les hommes qui reviennent de la guerre.
De temps à autre, il fait l'appel des morts. Il voit ses élèves, là, dans ses salles, dans, non seulement Henri IV, mais dans ses salles d'Henri IV, là où il enseigne, et il voit tous les visages de ceux qui sont tombés. Il lui arrive de faire l'appel des morts, de ceux qui sont tombés dans la fleur de l'âge et qui ont l'âge des jeunes gens qui sont en face de lui. Et ce souvenir le hante toute sa vie, comme beaucoup d'anciens combattants, bien sûr, mais avec cette puissance particulière qu'il a fait la guerre à un âge où en général on ne la fait pas, et à un grade où à son âge on ne la fait pas. Si je mentionne cet épisode tragique de la guerre pour Alain, c'est parce que elle signifie aussi cet appel, dans cet appel aux morts, ce qu'est l'enseignement pour Alain. Alain est un grand professeur, un professeur particulièrement prestigieux. Nous avons la plupart des témoignages de son enseignement après la Première Guerre mondiale, où c'est un enseignement assez magistral, assez hiératique, dirons-nous. Alain n'aime pas la critique, et une fois, il lui est arrivé à un étudiant qui protestait un peu contre une idée ou une autre, d'arriver vers lui et de secouer son cahier devant lui en disant « ça va mieux maintenant, ça va, vous êtes calmé ». Il y a des raisons pour cela, en particulier le fait qu'il devienne sourd, limite les interactions avec la classe. Mais ces interactions vont se faire par écrit. Et il y a un autre phénomène tout à fait remarquable. Dans les années 20, les jeunes femmes, les jeunes filles, comme on dit à l'époque, sont admises à préparer l'école normale supérieure. Et là, ils rencontrent des jeunes femmes tout à fait spectaculaires, une des très grandes philosophes du XXe siècle, Simone Weil, son amie Simone Pétremont. Songez, parmi les trois premières admises à normale sup, deux viennent de la classe d'Alain. Cela signifie à la fois son efficacité comme professeur, mais aussi le fait qu'il ne discrimine pas entre les femmes et les hommes, entre ce qu'il appelle les garçons et les filles. Il a cet aspect un peu paternel, et quand il parle à Simone Pétremont et Simone Weil, on sent une touche de paternel qui n'existe pas ailleurs. Il les appelle mes chères filles, par exemple, dans ses lettres. Ce prestige du professeur, il est dû à plusieurs raisons. D'abord, il est probable que avant-guerre, sa classe est plus interactive. Il écrit par exemple, au début de son enseignement, mes élèves jouent à Kant comme au ballon. Imagine bien une classe très active. La deuxième chose, c'est qu'il est très centré sur le développement de la pensée de ses élèves. Et ses élèves, ce sont des étudiants post-baccalauréat pour être à l'université, ils sont les classes préparatoires à l'école normale supérieure. Donc il va vraiment les aider à travailler leur style, à travailler leur argumentation. Il lui arrive par exemple d'écrire une dissertation entière au tableau avec ses élèves. Donc c'est un innovateur pédagogique. Et du reste, il écrira beaucoup sur la pédagogie dans le primaire où il n'enseigne pas, mais il a un grand intérêt pour la façon dont on fait passer les idées. C'est aussi un professeur prestigieux, bien tout simplement parce qu'il a fait la guerre. Et que dans tous ces vieux messieurs qui peuplent les chaires supérieures de l'enseignement français, il est le seul à avoir combattu directement à son âge. Bien sûr, il y a d'autres anciens combattants, des parcours tout à fait remarquables. On pense à André Pritou, un ancien élève d'Alain, mais aussi normanien. Il n'est pas le seul à avoir combattu, mais il est le seul de sa génération à avoir combattu. Et il est très proche de cette jeunesse parce qu'il a vécu avec des jeunes ses tranchées. Son prestige, aussi parce que c'est un homme qui est plein d'idées, qui a des idées très nouvelles et qui n'enseigne pas la philosophie comme on l'enseigne souvent à l'époque. C'est là l'héritage d'Alain sur la philosophie française, y compris la philosophie française contemporaine. Alain a un style très particulier d'approche de la philosophie par les textes. Alors qu'à l'époque, on le voit dans les manuels de philosophie de l'époque, on aime bien les grandes catégories. Platon est rationaliste. Je ne sais pas du tout pourquoi Platon serait rationaliste, parce que ce n'est pas du tout une notion platonicienne, mais enfin on l'appelait rationaliste. Aristote est empiriste. Enfin, alors, il est empiriste. Et Alain dit, mais plutôt que d'essayer de faire des grandes catégories, dire que les rationalistes c'est ceci, c'est cela, c'est Platon, c'est que sais-je encore, lisons les textes. Et c'est ça qui fascine réellement ces élèves et qui leur donne une puissance tout à fait particulière, c'est lorsque Alain propose des lectures de philosophes. Et cet apport du texte à la réflexion philosophique est tout à fait unique et atteint, et en fait tout à fait français. Quelque chose qui est une des forces de la philosophie française, c'est cette lecture directe des textes.
poussait parfois un peu loin. Canguilhem, qui est aussi un de ses grands étudiants, grand philosophe, qui a marqué l'histoire des sciences dans les années 1950, grand résistant également. Canguilhem me disait que quand il est arrivé dans la classe d'Alain, il avait été surpris, car quand on lisait Platon dans le texte, évidemment en grec, et Canguilhem n'avait jamais fait de grec, donc il était un peu mal à l'aise sur cette lecture. Mais enfin, cette volonté de lire directement les philosophes est une des grandes techniques d'approche philosophique d'Alain, et c'est ce qui marque ses élèves. Alors, ce n'était pas centré de soubresaut dans l'institution philosophique. Léon Brunswick, un autre grand professeur, lui en Sorbonne, avec un style beaucoup plus magistral, peut-être plus classique aussi, moins près des textes, on va dire, qu'Alain, disait tout de même, c'est irritant, ces élèves d'Alain qui disent on va se débarrasser des commentaires et après ils me servent le commentaire d'Alain. C'est vrai que ça pouvait donner des caricatures, on remplaçait le commentaire académique par le commentaire d'Émile Chartier, professeur de Cagnes. Mais dans ses grandes qualités, cela incitait les élèves, les étudiants, y compris dans leur future carrière, et certains ont fait des carrières universitaires tout à fait remarquables, à rapprocher l'exercice de la pensée philosophique de celui de la lecture philosophique. Lecture philosophique qui pour Alain est très large. Alain aime bien aussi lire les romans, Balzac par exemple, Stendhal également, parce qu'il y trouve également des vérités philosophiques. C'est pour cela par exemple que c'est lui un des premiers, peut-être le premier, qui réhabilite Montaigne comme philosophe et pas seulement comme essayiste littéraire. Son camarade Léon Brunswick devra attendre les années 40 pour parler de Montaigne comme d'un philosophe, alors que Alain le voit tout de suite avec cela. Donc c'est un découvreur de textes, un liseur de textes, puissante interprétation, servi par une personne particulièrement charismatique, avec un passé d'ancien combattant dans le rang particulièrement prestigieux. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on regarde les anciens élèves d'Alain, on est très impressionné. J'ai mentionné Simone Weil, j'ai mentionné Canguilhem. Et même lorsque les gens ne sont pas dans la classe d'Alain, par exemple, Aron a une très très longue relation avec Alain, qui vient trouver à la fin de ses cours. Il est très très impressionné par Alain. Après, il prendra ses distances assez abruptement. Mais il y a cette influence, cette marque d'Alain sur quelqu'un comme Aron. Et même parfois, l'influence est négative. On sait que Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre ont suivi des conférences publiques d'Alain. Eh bien, Sartre explique qu'il avait soigneusement évité d'aller dans la cagne d'Alain pour ne pas être influencé. Donc ce prestige du professeur pouvait même être impressionnant pour certains, ou certaines. Et c'est une dernière chose qu'il faut préciser à propos d'Alain professeur. C'est un homme qui, à une époque qui est, on va dire, machiste, qui a tendance à regarder de haut les femmes. Les femmes ne votent pas dans la République française de l'époque. C'est un homme qui n'a aucune propension à faire des différences entre ses élèves, comme il appelle les garçons, et les filles. Les quelques filles qu'il a en Cagne avec les garçons, qui arrivent à se faufiler dans l'enseignement préparatoire à Normale Sup, quand on voit les jugements qu'on a donnés à propos de Simone Weil, par exemple, qui sont très durs, on voit que Alain, pour lui, elle était un génie tout de suite. Il n'y avait pas de différence. Il dit, on a deux grands hommes de sexe féminin, Madame de Staël et Simone Weil, par exemple. Il écrit ça dans son journal. Mais il enseigne également la philosophie dans un collège privé, le collège Sévigné, qui a justement été créé pour donner une éducation solide et sérieuse à des jeunes filles, des jeunes femmes, qui sont exclues de l'enseignement supérieur jusqu'à présent. Et il s'y engage dès avant la Première Guerre mondiale, il conservera ce lien avec Sévigné bien après, et sera toujours, toujours engagé dans la cause de l'enseignement de manière parfaitement égalitaire entre les sexes. On signera une dernière chose, qui est son intérêt pour la pédagogie de l'école primaire. Lui-même n'enseigne pas en primaire, jamais. C'est sa grande amie, Marie-Monique Morlanglin, qui est directrice d'école normale à l'époque. Et il a une attention particulière et souvent très novatrice à l'égard de ce qu'il faut faire dans une classe, avec une exigence pour les enfants de savoir travailler, mais sur des bases qui sont compréhensibles, non seulement pour les meilleurs, mais également pour
les plus faibles. Et de ce point de vue-là, aussi bien dans son enseignement philosophique en Cagne, lorsque jeunes femmes apparaissent ou à Sévigné, ou dans sa réflexion sur l'enseignement primaire, Alain est convaincu qu'il n'y a pas de distinction entre l'enseignement, la philosophie, c'est une vieille tradition qui remonte à l'Antiquité, Platon, Aristote ont fondé des écoles, l'enseignement, la philosophie, la République et la démocratie, et finalement, l'enseignement et la démocratie. Alors, le philosophe, tout d'abord. Alain a écrit une vaste œuvre qui vraiment couvre un ensemble considérable de différents sujets. Alain, à son époque, il a une notoriété de philosophe particulière, car elle tient, on y reviendra, à sa carrière d'enseignant, mais il a aussi cette présence par ses livres, et il écrit beaucoup. Il écrit beaucoup parce qu'il écrit à la fois, presque quotidiennement, des petits articles, d'abord entre 1906 et 1914, qui s'appellent Les Propos. Après les années 20, c'est plutôt une écriture hebdomadaire, mais ce sont des textes qui forment un fragment de philosophie, ou des fragments de philosophie, qui sont assez considérables. On a plusieurs volumes de Propos, c'est le nom de ces chroniques. Mais il y a aussi des grandes œuvres qui couvrent de nombreux sujets, des grandes œuvres que sont par exemple les Entretiens en bord de mer, qui sont un texte de métaphysique assez complexe. On a Les Dieux, qui ont publié dans les années 1930, qui parle justement de la religion. On a Les Souvenirs concernant Jules Lanniot. Les Souvenirs concernant Jules Lanniot parlent de son maître en philosophie, mais développent aussi des conceptions philosophiques, métaphysiques. Alors, Alain, philosophe, c'est donc cette large écriture et ce vaste type de sujet qu'il aborde. On peut quand même avoir quelques catégories où on retrouve la philosophie d'Alain. Alors, d'abord, peut-être par ordre chronologique, Alain, c'est un grand lecteur des philosophes et c'est un lecteur qui lit et qui écrit en même temps sur la philosophie. Il n'a pas forcément laissé beaucoup de travaux érudits, mais il y en a un qui est tout à fait remarquable, qu'il écrit lorsqu'il est étudiant et qui porte sur les stoïciens. Et lorsqu'on lit ce mémoire, qui serait l'équivalent du mémoire de master aujourd'hui, sur les stoïciens, on est vraiment très impressionné par le niveau d'érudition. Il est vrai qu'Alain, à son époque, a l'avantage, peut-être sur nos contemporains, d'être parfaitement à l'aise avec le latin et le grec, les stoïciens essentiellement le grec, et donc a une très grande familiarité avec une langue qu'il lit comme, pratiquement comme sa langue maternelle. Mais il y a aussi beaucoup de travaux sur des philosophes, par exemple, des philosophes qui ne sont pas à son époque extraordinairement lus en France, compris ou même respectés. C'est le cas de Hegel. Alain a été un découvreur assez précoce de l'œuvre de Hegel. Il travaille là en traduction, mais il a un regard sur l'œuvre de Hegel qui est tout à fait pertinent aujourd'hui encore. Il écrit sur Auguste Comte également. À la fin de sa vie, en 1946, il écrit sur Kant, sur la philosophie de Kant. Donc vraiment, c'est un philosophe qui lit avec un plaisir immense les philosophes, et au-dessus de tous ces philosophes qu'il lit, qu'il explique, qu'il analyse, il y a ce qui, pour lui, est le philosophe par excellence, Platon. Platon, c'est la référence fondamentale pour Alain, à tel point que, réfléchissant à ce que signifiait Platon pour Alain, Jacques Brangevin, qui avait écrit un article sur ce thème, disait finalement que pour Alain, Platon, ça n'est pas seulement un philosophe, Platon c'est le monde. Dans Platon, on lit le monde tel qu'il est. Formidable compliment pour une très grande philosophie. Ça n'empêche pas, par exemple, Alain de s'intéresser à un auteur qui était délaissé également à son époque et qui est, lui, l'élève de Platon, c'est-à-dire Aristote. Il y a un caractère aristotélicien dans la philosophie d'Alain qui est immanquable par son attention au quotidien, par son attention à l'empirique, mais aussi par son attention à ce qu'on peut appeler la métaphysique. Alors, quels sont les grands thèmes de la philosophie d'Alain? Bien, par ordre d'apparition, si on veut, après la Première Guerre mondiale, c'est là où Alain se met à écrire
écrire ses livres de philosophie, et non pas seulement ces textes fragmentaires que sont les propos, eh bien, il commence par publier sur l'esthétique. Alors, ce n'est pas un thème qu'il avait exploré beaucoup avant la Première Guerre mondiale, c'est un thème qui le réconcilie un peu avec la vie. Il est trop difficile pour Alain de commencer par ses écritures sur la guerre. Il va écrire, il va publier très rapidement, après dans les années 20, son livre sur la guerre, Mars ou la guerre jugée, et il commence par un livre qui s'appelle Le système des beaux-arts. Et on voit là, dans ce système des beaux-arts, clairement l'influence de Hegel, puisque l'art pour Alain, c'est une progressive émancipation par rapport au monde matériel, par rapport au corps, et une espèce de sublimation qui finit par la prose. Il couvre tous les arts, y compris la danse, par exemple. La danse, pour Alain, c'est une des premières formes d'art, parce que l'être humain travaille sur son corps. L'architecture, il travaille sur l'autre partie du monde extérieur, non plus le corps, mais la pierre, le monde extérieur, les matériaux extérieurs, etc. Donc la prose étant finalement le dernier des beaux-arts est déjà en dehors des beaux-arts. Et c'est un hommage à ce que Alain lui-même a beaucoup pratiqué. Alors il faut dire également que Alain avait une pratique des arts personnels. C'est un poète qui aime faire des vers, il n'accordait pas une grande importance à la qualité de ses vers, il y en a quelques-uns qui sont très beaux, et ceux qui sont très attachants, ce sont les vers qu'il écrit pour celle qui devient sa femme en 1945, Gabrielle Landormie. Ce sont très très beaux poèmes d'amour. C'est aussi quelqu'un qui pratique la musique, le violon et le piano, beaucoup le piano. Il adore improviser au piano, mais à la guerre, on sait qu'il jouait aussi du violon, et ce sont des instruments qu'il aime pratiquer. Mais au-delà de la pratique, on doit ajouter également la peinture. Alain a beaucoup peint de pochards, mais ce sont en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler des fausses vocations pour Alain. Il n'est pas un artiste, mais il a une réflexion philosophique qui est très proche de sa pratique artistique. Il rencontre les grands mouvements de son époque, on a quelques textes très rares, par exemple sur le cubisme. Dire qu'il n'est ni convaincu ni enthousiaste, mais se dit oui, c'est intéressant, c'est pas son type d'art, c'est intéressant. Il est d'ailleurs aussi sceptique par rapport à l'art pompier, l'art académique de l'époque, et il se demande combien de pyrrhus dénudés va-t-on encore voir, par exemple. Donc c'est une vision de l'art qui est ouverte avec ses préférences. Ensuite, il y a ce grand thème qui parcourt à la fois son œuvre philosophique et son œuvre politique. C'est la guerre. C'est la guerre. Alors, il ne raconte pas sa guerre, même d'ailleurs quand il la raconte, il publie tardivement ses souvenirs de guerre, par exemple, mais c'est beaucoup de réflexions sur la guerre moderne. On a parfois prétendu, à tort, qu'Alain n'a pas de sens historique. Alors, là, il faut faire une petite précision. C'est vrai qu'Alain, parfois, a des remarques piquantes, ironiques, amusantes aussi sur les historiens. Mais il faut bien voir ce qu'il critique dans l'histoire. Il critique ce que toute l'histoire au XXe siècle a critiqué, c'est-à-dire l'histoire bataille, l'histoire événement, l'histoire des grands hommes, et non pas l'histoire des peuples, l'histoire des grandes tendances économiques. Ça l'intéresse en histoire. Et une chose qui le marque, et c'est très clair, c'est la révolution que la guerre moderne a apportée dans les rapports internationaux de conflit. Il est bien conscient que ce qui se passe en 1914 et entre 1914 et 1918 est quelque chose de parfaitement neuf dans l'histoire des êtres humains. Une guerre mécanisée, sans âme, une guerre qui n'a plus de héros. Bien sûr, ceux qui sont tombés, on va les appeler des héros. Bien sûr, il faut respecter la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés ou plus souvent qui ont été sacrifiés. Mais ce qui frappe Alain, c'est que quand on est en face de mitrailleuses, de canons, etc., l'héroïsme n'est pas possible. Il raconte lui-même qu'il a été pris pour un héros une fois avec un camarade artilleur parce qu'il devait rentrer dans son groupement d'artillerie, d'artilleurs, et il marche vers un bombardement. Et là, il entend les fantassins en disant « Les artilleurs, ils sont très courageux. » Et Alain dit « Non, je n'étais pas courageux, c'était artilleur. Je sais qu'un bombardement, c'est une chose administrative, ça commence à une certaine heure, ça finit à une certaine heure, et finalement, on savait très bien que quand on arriverait au lieu de bombardement, il serait terminé. » Voilà, c'est la guerre moderne, une guerre dont il dit que Louis XIV n'aurait jamais eu idée. Cette réflexion sur la guerre, c'est une réflexion tragique chez Alain, c'est une réflexion également sur la tyrannie.
parce qu'il voit d'abord la guerre industrielle, mais également une guerre où les pouvoirs sont déchaînés. Il dit le moindre lieutenant de 20 ans a sur ses hommes un pouvoir de despote oriental, un pouvoir que un roi absolu n'a même pas sur les siens. Il peut décider de la vie et de la mort instantanément, sans aucun problème, de ses hommes, soit par volonté tyrannique, mais simplement parce qu'il n'a rien à faire de la vie de ses hommes, parce qu'il est fatigué, parce qu'il n'a pas le temps de regarder où aller, etc. Ou bien, c'est aussi quelque chose qu'elle me demande souvent, parce qu'il est poussé par son propre commandement. Et il y a multitude d'affaires tragiques qui sont rapportées par là. Donc ces livres sur la guerre ne sont pas des livres, même s'ils sont truffés d'anecdotes et de réflexions, sont des livres sur ce qu'est la guerre moderne. C'est trois choses. Une industrie de la mort, cette tyrannie aveugle de la guerre industrielle, la violence absolue des pouvoirs, et il verra comment dans les années 20 et 30, le fascisme puis le nazisme sont liés à cette militarisation de la société, à cette expérience ivre des pouvoirs sans aucune limite pendant la guerre. Et une troisième chose, ce sont les passions nationales, ce déchaînement des passions qui sont dans la guerre. Et les trois combinés, eh bien, ça fait une guerre qui ne s'arrête pas et qui est extraordinairement destructrice. Il y a d'autres aspects qui sont très présents dans son œuvre, mais plus dispersés. Il y a notamment une épistémologie. Alors j'ai déjà mentionné rapidement son rapport à l'histoire, qu'il peut critiquer, mais c'est parce que l'histoire de son temps ne satisfait pas, c'est en bataille, encore. Il est aussi très critique par rapport à la sociologie durkheimienne. Mais il n'a pas que des aspects critiques par rapport à la sociologie durkheimienne. Ce qu'il reproche à la sociologie durkheimienne, c'est finalement son déterminisme. D'accord, si on explique les faits humains par des causes nécessaires, on explique certains aspects des sociétés humaines, mais pas tous. Et quand on a expliqué la religion par des phénomènes sociologiques, là, il est carrément sceptique. Mais il y a d'autres textes où il est tout à fait intéressé par la sociologie, y compris la sociologie durkheimienne. Il parle par exemple dans ses cahiers de jeunesse des lunettes de Durkheim qui éclaireront des choses. Il n'y a pas une hostilité systématique. Mais la grande sociologie, ce qu'il appelle la grande sociologie, c'est évidemment celle du fondateur de la sociologie, celui qui a inventé le mot, mais aussi probablement la science sociologique, à savoir Auguste Comte, sur lequel il revient constamment. Il y a aussi chez Alain une réflexion sur le rôle des sciences. Alors ça, c'était un thème un peu banal à son époque, hein, la théorie de la connaissance, le rôle des sciences, est-ce que les sciences vont abolir, on ne parle pas de les sciences, au pluriel, on parle de la science, donc si la physique, la mathématique, la biologie, etc., c'était la même chose, et à l'intérieur de chaque discipline, chaque branche était la même chose, donc on parle de la science et de sa confrontation avec la philosophie. Et Alain est très critique par rapport à cette attitude, il accueille avec scepticisme la relativité d'Einstein, plutôt là aussi, il faut être précis, il accueille avec scepticisme la réception de la relativité einsteinienne. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il voit bien que la plupart des gens qui parlent d'Einstein dans ces années 1920-1930, ils n'y connaissent rien. Voilà. Ou ils ne connaissent pas grand-chose. Donc, de là à faire changer ses convictions philosophiques, en fin de parcours, dans les années 30, il finira par dire, au fond, le problème, ce n'est pas ce que pense Einstein, c'est quel rapport cela a avec le monde commun. Est-ce qu'on peut enseigner quelque chose de la vie à partir de la relativité? Il pense que non. Est-ce qu'il faut être toujours à la pointe de la recherche pour comprendre le monde? Et le monde dans lequel nous vivons, c'est d'abord un monde humain. Il pense que non. Alors, on peut parler des rejets, des refus. Moi, je parle plutôt de critiques de certaines sciences. Il ne faut pas oublier que sa culture est très vaste, qui va saluer certaines branches des sciences, par exemple la géographie. Il trouve que c'est une science extraordinaire et il salue de manière magnifique l'invention de la géographie humaine. C'est également le cas de ce qu'on appellerait l'anthropologie, parfois une branche de la sociologie. Il lit par exemple le Rameau d'Or avec une admiration quasi sans bornes. Donc il n'est pas du tout à refuser des choses, mais on va dire qu'il n'est pas dans la mode scientifique. Et ça, c'est un aspect qui est évidemment
tout à fait important. Mais le cœur de la philosophie d'Alain, c'est le rôle de la philosophie. Et Alain est très attaché au fait qu'on ne fait pas, comme on dit, de la philosophie, mais qu'on s'applique à la philosophie et qu'on s'y applique pour conduire sa vie. Lisons la définition qu'il en donne et qui est tout à fait remarquable, c'est dans les 81 chapitres sur l'esprit et les passions, publié sous le titre d'Éléments de philosophie dans les années 40. Et voilà ce que Alain dit. La philosophie, en son sens le plus vulgaire, enferme l'essentiel de la notion. C'est une évaluation exacte des biens et des maux en vue de régler les désirs. Autrement dit, la philosophie, le plus vulgaire, a compris ce que c'est une manière de conduire sa vie. Mais c'est une manière de conduire sa vie qui est fondée sur une évaluation exacte. Et c'est là qu'on trouve les grands domaines de la philosophie et de l'art. S'il s'intéresse à la science, c'est en quoi cela contribue à régler ma vie. Quand il s'intéresse à l'esthétique, c'est en quoi cela contribue à régler ma vie. Lorsqu'il s'intéresse à la guerre, c'est plus complexe, mais il y a aussi cet aspect. En quoi est-ce que cette expérience de la guerre peut contribuer à régler mes désirs? La réponse est ne pas être nationaliste, ne pas chercher la revanche à tout prix alors qu'on a gagné une guerre, ne pas être odieusement victorieux sur un peuple allemand dont il a bien conscience des souffrances également, et regarder plutôt ce qui se passe en politique intérieure plutôt que d'essayer de blâmer la politique des autres. Il s'agit de régler ses désirs, y compris ses désirs collectifs. Et là, on trouve la politique. L'intellectuel engagé maintenant. On sait que le mot intellectuel vient de l'affaire Dreyfus, avec la pétition des intellectuels, mais Alain a un rôle particulier dans cette histoire qui commence à la fin du 19e siècle, parce que Alain est le premier intellectuel à venir de la philosophie. Comme ces intellectuels de l'affaire Dreyfus, bien sûr, c'est quelqu'un qui, au nom de son savoir, au nom de son métier, qui est un métier intellectuel, s'engage en politique. Mais il ajoute une dimension qui va être la grande dimension de l'intellectuel français, qui est de venir non pas simplement de n'importe quelle discipline intellectuelle, mais de la philosophie. Or, à l'époque d'Alain, on est à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il ne fait pas bon en philosophie de parler politique. On évite le sujet, on va en parler, mais à grands traits. Pas entrer dans les détails, on ne va pas parler comme Alain de vote, de constitution, de droit des femmes, etc. Non, on a quelque chose de plus paisible. Je pense d'ailleurs que c'est plus paisible pour que la corporation philosophique puisse se former universitairement sans être traversée par des débats qui empêcheraient de progresser. Mais, en quelque sorte, Alain met dans les pieds dans le plat. En ce sens, Alain n'est pas simplement un intellectuel engagé. Il est le premier engagé des intellectuels par la philosophie. Il est le premier des intellectuels, tel qu'on l'entend souvent aujourd'hui en France, c'est-à-dire quelqu'un formé à la philosophie, qui est aussi professeur de philosophie, et qui, au nom de sa discipline, la philosophie, va s'engager en politique. Alors la politique chez Alain, c'est un peu comme l'esthétique. Alain n'est pas simplement un théoricien du politique, il est aussi un théoricien du politique, mais il est d'abord un pratiquant de la politique. J'ai mentionné l'affaire Dreyfus, c'est son point d'engagement. C'est là où il se décrit lui-même d'ailleurs comme très très peu politisé. Lors l'affaire Boulanger, il voit Boulanger, il ne s'intéresse pas à la politique. C'est lorsqu'il est confronté à la question Dreyfus, à l'époque professeur à Lorient, qu'il va se rapprocher des milieux qui soutiennent Dreyfus et qui craignent un coup d'État militaire. Et il dit d'ailleurs qu'il commence à parler, à s'organiser concrètement pour une résistance en cas de coup d'État militaire. L'attention est très grande et on voit que Alain ne s'engage pas simplement intellectuellement, c'est un intellectuel engagé, mais qui ne s'engage pas seulement intellectuellement, c'est quelqu'un qui participe à l'organisation de la vie de la cité, y compris dans ce moment de grande tension. C'est ce qui également fait qu'il donne des conférences politiques
Bon, alors évidemment, ça fait fuir, car il est en Bretagne, ses élèves, les parents d'élèves se plaignent beaucoup de ce professeur de philosophie qui dit par exemple des choses terribles, que le diable n'existe pas, qu'il ne faut pas croire aux miracles, des choses comme ça. Donc c'est un activiste républicain particulièrement engagé, concrètement engagé. Le fait de cet engagement politique, c'est lors de la campagne électorale de 1902. Il est l'agent électoral, un des agents électoraux, ils sont trois d'après Alain, à travailler pour Ricard qui est candidat à sa réélection. Et curieusement, alors que la gauche triomphe partout en France, eh bien, le candidat de gauche que soutient Alain, qu'il promeut, pour lequel il fait des conférences publiques, etc., perd. Et du coup, on a quelque chose qui est curieux, on va perdre un Alain potentiel qui ne serait pas Alain, mais qui serait devenu un politicien de la Troisième République, et on va gagner un philosophe, peut-être même un philosophe politique, parce que cet échec arrête l'engagement d'Alain par rapport à la politique concrète. Et à partir de ce moment-là, il va s'engager politiquement, mais à travers son œuvre dans les journaux. À partir de 1906, par exemple, il écrit des chroniques quotidiennes jusqu'en 1914, jusqu'à temps qu'il parte à la guerre, et ces chroniques sont données gratuitement à un journal de gauche, la Dépêche de Rouen et de Normandie. Donc un ancrage très fort dans l'action politique qui bouge, en quelque sorte, vers l'engagement plus intellectuel et qui mûrit dans une réflexion sur la politique. Alors, cette réflexion, elle est très particulière chez Alain. Nous n'avons pas de système de politique chez Alain. Nous n'avons pas de grand livre d'Alain sur la politique, à part sur le sujet de la guerre, à propos de laquelle il publie « Mars ou la guerre jugée », qui est une version très remaniée d'un texte qu'il avait écrit en 1916, entre le moment où il part pour Verdun et il se blesse, et le moment où il repart vers Verdun, tout en boitant d'ailleurs, car il était très très gravement blessé à la cheville, il finira d'ailleurs paralysé des jambes, pour aussi cette raison. Et Alain a plusieurs mois à l'hôpital, et donc il écrit ce qui va être publié à titre posthume, sous le titre de « Quelques causes de la guerre entre nations civilisées ». Là, il a une réflexion systématique sur, on en a parlé, la violence industrielle de la guerre, sur le déchaînement des pouvoirs et ultimement sur l'orgie de passion qu'est une guerre. Dans la guerre, tous les monstres se révèlent, dit-il. Mais ce qui intéresse Alain dans la guerre, c'est pas ça. Ce qui l'intéresse, c'est pas qu'il y ait des monstres. Ça semble normal dans les situations de violence, anormal, si on peut dire. Non, ce qui le perturbe, c'est que des gens parfaitement pacifiques, des gens qui ne feraient pas de mal à une mouche, peuvent exterminer des dizaines de personnes par leur artillerie, par leur mitrailleuse, par, éventuellement, rarement, mais quand même, leur baïonnette. Et ça, c'est vraiment sa question, d'où ce premier titre, des nations civilisées. On n'est pas en train de parler de barbares, on est en train de parler de nations hautement développées, la France, l'Allemagne. On n'est pas sur des nations qui seraient, en quelque sorte, figées dans un passé de violence, non. Ce sont des grandes sociétés. Et ces sociétés se font une guerre d'une cruauté qui n'avait jamais été atteinte. À part ce bloc sur la guerre, qui est très réfléchi chez Alain, et qui est aussi lié à son expérience de combattant, la politique d'Alain est une politique très très large, mais qui ne donne pas lieu à un traitement systématique. Alors avant d'aborder les grands thèmes de la politique d'Alain, un mot encore sur la guerre. On a trop souvent dit que la philosophie d'Alain est une philosophie d'anciens combattants. Ce n'est pas vrai. On peut montrer, sans l'espèce d'un doute, que les idées d'Alain sont en place avant la guerre. On sait très bien qu'Alain s'engage volontairement pour partir au front parce qu'il est en faveur de la paix et qu'il sait qu'il n'aura aucune crédibilité s'il part de la paix après la guerre sans l'avoir faite. Il y a aussi une certaine curiosité de sa part. Mais il en est convaincu. Il part à la guerre, non pas pour tuer les Allemands, non, parce que le territoire est envahi, ça c'est vrai, il se montre bon citoyen de ce point de vue-là, mais également parce qu'il veut réserver son droit à une parole libre et pouvoir continuer de parler
de la guerre, c'est-à-dire contre la guerre, en disant « je l'ai faite, j'ai le droit de parler, je ne peux pas être muet sur ce sujet ». Donc il ne s'agit pas d'une philosophie d'ancien combattant, ou d'ancien combattant mécontent, comme on l'a dit. Non, non, l'engagement dans la guerre est très clairement un engagement philosophique et intellectuel chez Alain. Il faut commencer par les idées, il faut comprendre la guerre d'Alain, et ensuite, évidemment, il y a le traumatisme. Alors à l'époque, on ne parle pas de traumatisme. Il est évident qu'Alain revient de la guerre avec un traumatisme qui ne l'a pas. Très peu d'anciens combattants ont appréhendé cette guerre comme d'autres, mais celle-là particulièrement, sans être hantés par des images terribles qui sont celles qu'ils voient quotidiennement, au front, évidemment. Donc la guerre d'Alain, c'est vraiment une analyse philosophique, simplement c'est une analyse philosophique dont il a un peu testé l'expérience. Mais de ce point de vue-là, la guerre d'Alain, c'est comme aussi l'esthétique, c'est comme le combat politique, c'est quelque chose qu'il a fait et dont il parle, comme on dit, en connaissance de cause. Alors maintenant, quels sont les grands thèmes hors de la guerre de la politique d'Alain? Alain a cette spécificité tout à fait extraordinaire en politique pour la philosophie française d'être un des rares penseurs politiques du XXe siècle à avoir défendu la démocratie libérale. Alors on dit souvent Alain est un penseur républicain, bien sûr, mais pour lui il a une conception très libérale de la démocratie républicaine, de la République. Qu'est-ce que ça veut dire une conception libérale? Eh bien pour lui, la liberté est avec l'égalité, c'est la devise de la France d'ailleurs, liberté et égalité, ce sont des biens fondamentaux qui ne peuvent pas être dissociés. Contrairement aux conservateurs, on ne peut pas dissocier la liberté de l'égalité pour favoriser la liberté. Contrairement aux socialistes, puis aux communistes, on ne peut pas séparer l'égalité de la liberté. Les deux vont en même temps, et c'est ça le combat libéral d'Alain, combat qui n'est pas simplement républicain. Bien sûr, il défend la forme républicaine du gouvernement, il est contre les monarchistes, mais la monarchie pour lui, c'est simplement un autre visage de ce qui est son engagement fondamental. Être engagé contre les tyrannies. Il le dit, il le répète. Il le dit, par exemple, dans un entretien radiophonique, il l'écrit dans Histoire de mes pensées, la tyrannie, c'est ce qui motive l'intégralité de sa pensée. Et la démocratie, pour Alain, qui pour lui est la vision haute de la République, il n'y a pas de séparation entre République et démocratie pour lui, une bonne démocratie est une bonne République est une démocratie, c'est deux aspects de la même chose. Pour Alain, la démocratie est le seul régime où les êtres humains peuvent vivre une vie pleinement humaine, c'est-à-dire dans la dignité de la liberté et dans la dignité de l'égalité. Cela explique par exemple pourquoi il refuse de devenir officier pendant la guerre. Il y a plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'est qu'il ne veut avoir aucun pouvoir. Bien sûr, en tant qu'intellectuel, il serait facile de passer le concours de sergent. C'est assez facile de devenir lieutenant, mais encore plus facile de se faire rapatrier à l'état-major. Non, il veut être traité comme n'importe quel soldat, supposé, ignorant, comme il le dit dans ses souvenirs de guerre. Je veux être traité comme ça. Bien sûr, j'ai eu des mauvaises expériences, explique-t-il, et c'est ma faute. Dès que je disais que j'étais ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de philosophie, professeur Henri IV, on me traitait bien, mais je préférais qu'on me traite normalement, comme si j'étais quelqu'un de pas très éduqué, comme si j'étais finalement égal à tous les autres. Donc la démocratie pour Alain, c'est le fondement de son engagement, et c'est ça qui est original chez Alain, parce que la philosophie française a été largement fascinée par les grands systèmes et finalement a laissé de côté la démocratie, qui était un peu un objet non philosophique. Et Alain donne à la démocratie la dignité d'un objet philosophique. L'autre aspect, qui est lié par exemple à son engagement comme homme de troupe pendant la guerre, c'est un anti-élitisme. Alors ça semble un peu curieux d'être anti-élitiste quand soi-même on appartient à l'élite des professeurs de la République. Mais l'anti-élitisme, ce n'est pas vouloir abolir l'élite. D'ailleurs, Alain écrit, l'élite est naturellement ce qu'il y a de meilleur. Donc, il n'y a pas de problème. Lui-même était très élitiste dans ses classes. Il savait très bien qu'il y avait de très bons élèves et d'autres qui étaient moins bons. Mais ce n'est pas cela qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est deux choses. Une chose qui est immense et qui va faire vivre la question éducative en France jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait
avec ceux qui ne sont pas de l'élite? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne sont pas les meilleurs, qui ne sont pas les plus brillants, les plus talentueux? Qu'est-ce qui leur arrive? Comment les traite-t-on? Et la démocratie, c'est justement de les traiter avec la dignité de leur liberté, de leur cité, dans l'égalité. Politiquement, l'idée du plus ignorant des citoyens vaut celle du plus éduqué des membres de l'élite. C'est ainsi. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose par rapport à l'élite, c'est que toute élite participe du pouvoir et va donc abuser de ses privilèges si elle n'est pas contrôlée. Donc Alain n'est pas contre les élites. Alain est contre les privilèges que s'arroge quasi mécaniquement toute forme d'élite. Et donc, une fois encore, ces privilèges tournent à la tyrannie. C'est pour cela que cette lutte contre la tyrannie a un sens profondément démocratique chez Alain. Parce qu'il s'intéresse à la masse et parce qu'il finit par centrer sa réflexion politique, c'est un moderne, sur la question des rapports entre la masse et le pouvoir. Et pour Alain, reprenant une idée qu'il trouve chez Montesquieu, mais qu'il développe considérablement, le pouvoir corrompt. Chaque fois que nous avons du pouvoir, nous sommes corrompus. Tout si on lit les deux choses. D'une part, cette conception de la politique comme pouvoir et du pouvoir comme nécessairement corrompant les êtres qui les détiennent. Et là encore, c'est un peu comme à la guerre, comment des gens pacifiques peuvent tuer d'autres personnes dans la guerre. La question est comment des gens qui sont très bien, lorsqu'ils ont du pouvoir, tout d'un coup, ils adoptent des attitudes, on voit quand même un peu de despotisme. C'est quelque chose de très banal, mais qui interroge Alain. Comment ça se fait? Et il dit, finalement, la démocratie, ce n'est pas simplement l'expression du suffrage populaire. Le vote n'a pas une fonction d'exprimer des idées, même d'ailleurs endosser des candidats. Il dit, par exemple, même si vous votez pour un candidat monarchiste, c'est de la démocratie. C'est-à-dire que vous votez contre les idées monarchiques parce que vous dites, c'est moi qui décide si j'ai un maître ou non. Et si on décide qu'on a un maître, on n'a plus de maître. C'est l'argumentation pour Alain. Le vote n'est pas sur les idées, le vote n'est pas sur les personnes, le vote est contre les pouvoirs. Et il est essentiellement une forme de contrôle des pouvoirs. Et ça, c'est l'idée essentielle chez Alain. Ce qui est démocratique, c'est le contrôle populaire des pouvoirs. On n'empêchera pas les pouvoirs de toujours dériver. C'est ça la fonction du pouvoir. On n'empêchera pas non plus les pouvoirs d'avoir à faire ce qu'ils ont à faire. S'il y a des émeutes, il faut bien de la répression. Alain est tout à fait d'accord avec cela. On ne peut pas faire autrement. Ou alors c'est la révolution, l'anarchie, et ça n'est pas mieux. Et parfois c'est pire, parce qu'il voit très bien ce que les révolutions donnent, c'est-à-dire de nouvelles tyrannies. Il explique très clairement la révolte contre la tyrannie donne d'autres tyrannies. D'où le rôle du suffrage universel qui est de contrôler les pouvoirs et finalement de limiter cette expansion. De rappeler à celles et ceux, à l'époque ceux qui nous gouvernent, que chaque être humain peut dire non à ce qu'il considère être un abus de pouvoir. Et cela est une théorie très forte, très intéressante de la démocratie qui est cette idée que la démocratie, comme toute constitution, écrit-il, la démocratie, c'est pas quelque chose qui va de soi. Même la meilleure des constitutions a besoin de l'engagement des citoyens pour limiter les pouvoirs. Les pouvoirs, pas seulement le pouvoir. Prenons un exemple qu'Alain donne et qui est tout à fait frappant, celui d'une grève. Et bon, voilà, c'est simple, les ouvriers se mettent en grève. Le patron répond par la fermeture de l'usine, un lockout. Bon, c'est le droit des ouvriers de se mettre en grève. C'est le droit du patron de fermer son usine. Là-dessus, évidemment, ça ne fait pas plaisir aux ouvriers. On est dans une industrie, à une époque où l'industrie se développe encore, même si Alain est très attaché à une société rurale. Et là, les ouvriers empêchent, ce qu'on appelle parfois les jaunes, empêchent les employés du patron de venir. Et là, ça c'est tout à fait légitime aussi, et là, on a quelque chose qui va se passer, c'est que le préfet appelle la police. Et il dit, si le préfet s'en mêle, c'est plus des rapports sociaux, c'est plus du conflit social, c'est du conflit politique, et là, c'est aux citoyens de décider si, oui ou non, le pouvoir fait bien. Un exemple très simple, un exemple courant. Peut-être que le préfet a raison, peut-être que le préfet a tort, mais ça, c'est une décision politique sur le droit de grève, ses limites,
et son exercice. Et c'est au citoyen de décider. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres chez Alain, mais qui éclaire tout à fait son attitude par rapport à la politique. Elle explique aussi, et là il y a un certain nombre de malentendus, elle explique aussi une des règles que Alain fixe et qu'il fixe à la démocratie. Obéir, mais ne pas respecter. C'est-à-dire obéir aux lois, mais ne pas respecter d'abord ces lois. On peut dénoncer des lois qu'on trouve scélérates, par exemple, ça fait partie de la liberté d'expression. On peut voter contre quand on est citoyen et qu'on est appelé aux urnes. Et ne pas respecter non plus les détenteurs du pouvoir autrement que comme personne. Comme personne, ils sont tout à fait respectables, mais ce n'est pas parce que le ministre dit qu'il faut faire ceci qu'on va le faire. Non, si on trouve que c'est pas bien, on a des raisons de ne pas vouloir le faire. Mais si la loi est passée, il faut le faire. Alors, donnons un exemple concret. En 1909, un évêque a des problèmes avec les autorités républicaines qui sont très laïques parce qu'il traite les lois de laïcité de scélérates. Et Alain, alors qu'il écrit dans un journal de gauche, ça n'a pas toujours plaisir à son public de gauche, dit mais non, il a raison. Cet évêque, c'est un citoyen comme les autres. Alors évidemment, les évêques n'aiment pas se faire considérer comme des citoyens comme les autres. C'est la pique d'Alain, mais enfin, c'est un citoyen comme les autres. Et s'il pense que cette loi est scélérate, il doit pouvoir avoir le droit de le dire. Et mieux encore, il a le droit d'essayer de convaincre les citoyens que ce sont des lois scélérates. Maintenant, bonne chance avec ça. Mais c'est son droit. On ne peut pas limiter la parole. Si cet évêque ne respecte pas les lois, c'est autre chose. Mais pour de simples paroles, une opinion, il n'y a pas de délit. Au contraire, c'est ça la démocratie. On va discuter, on va même entrer en conflit sur cela. Donc c'est un conflit qui se limite au débat d'opinion. C'est plutôt sain pour la démocratie. Vous voyez, il défend même ses adversaires quand ils sont dans les cadres. Alors le malentendu, c'est qu'on a pensé que c'était une règle absolue. Parfois, Alain n'est pas toujours très clair sur ce point. Obéir mais ne pas respecter, c'est une règle démocratique. Alain ne dit pas que dans une dictature, dans une occupation étrangère, que sais-je, dans les cas de totalitarisme, on soit obligé d'obéir sans respecter. De toute façon, parce que dans ces cas-là, on a très peu de choix. En général, on est forcé à obéir. Et quand on a le choix, eh bien, on entre en résistance. C'est un mot qu'on trouve chez Alain, curieusement. Mais il est très clair dessus. La règle, obéir mais ne pas respecter, obéir aux lois mais ne pas respecter forcément leur esprit, ni les personnes qui en ont l'autorité, on respecte qu'en personne, on obéit aux lois, on n'attend pas à la personne certainement, mais ce n'est pas parce que la personne est ministre qu'elle a raison, ça n'est valable qu'en démocratie. C'est une règle démocratique. Autrement dit, Alain ne redit certainement pas la Révolution française. Il faut être clair là-dessus. Là, on n'a pas obéi et on n'a pas respecté. Ça ne veut pas dire qu'il soit non plus pour les excès de violence, mais il comprend très bien que dans des situations tyranniques, une fois encore, eh bien, on ait une réponse qui soit celle de la violence. Mais dans une démocratie, sous les institutions telles qu'elles existent dès la Troisième République française, sous laquelle il vit, il est évident que le respect des lois est le premier devoir des citoyens. Alors, une dernière question se pose. Quel est le rapport entre la politique et la philosophie chez Alain ? Personnellement, il y a des choses qui me semblent très claires. Il y a une analyse de la politique et de la politique démocratique qui est très fine et très forte et probablement très vraie, en tout cas sur un large spectre d'idées. Sa théorie du vote est remarquable. Il y a une théorie du Parlement qui est absolument inégalable sur la manière dont les majorités changent. Un régime parlementaire est tout à fait fort. Sur le rapport de la citoyenneté au pouvoir, il y a quelque chose de très fort quand on essaie de penser la politique, non pas du côté des pouvoirs, ce qui est en général le cas, mais du côté du peuple, ce qui est beaucoup plus rare, et ça, on trouve Alain. Il est parfaitement avec notre époque, ça nous semble évident, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Quand il se bat contre le racisme, c'est pas très fréquent, mais c'est très clair là-dessus, ou, et ça c'est très fréquent, lorsqu'il se bat pour la dignité des femmes, écrivant également à propos par exemple des violences sexuelles que subissent les femmes. Il n'hésite pas sur ces propos. Pour lui, le droit de vote des femmes, mais également la place des femmes dans la société égale à celle des hommes, peut-être différente dans certains textes, en tout cas égale sans une espèce de doute. Tout cela, ce sont des combats et des analyses qui sont très remarquables. Est-ce que ces analyses peuvent se qualifier en termes philosophiques ?
Et là, ce n'est pas qu'on peut hésiter, mais on doit prendre un chemin et une décision. Pourquoi ? Parce que finalement, la politique, rappelons-nous la définition de la philosophie, une évaluation exacte des biens et des maux. Or, pour Alain, la politique, finalement, ça n'apporte que des maux, puisque la politique, c'est le pouvoir, et que le pouvoir, c'est la tyrannie. Donc, il est difficile d'évaluer exactement les biens et les maux, puisque justement, la démocratie consiste à inventer un régime où cette difficulté essentielle des pouvoirs va être, en quelque sorte, mise sous tutelle régulièrement par les élections. Alors, selon qu'on va penser que cet objet politique est un affrontement d'un philosophe avec quelque chose dont il comprend qu'il nie la philosophie. Et ce qui nie absolument la philosophie, c'est la tyrannie. Dans le tyran, dans la figure du tyran, on a l'exacte antithèse de la philosophie, et son expérience de la guerre, c'est ce qu'il a vécu de plus antiphilosophique. Alain ne parle pas de mal, hein. Le mal absolu, c'est une grande question de philosophie. Lui, il parle de la tyrannie absolue. Quand tout ce qui est idée, opinion, dignité humaine est simplement oublié d'un geste de la main, sans aucun problème, par ceux qui dirigent et qui gouvernent, et peut-être nécessairement du reste. Alors soit on pense que la politique chez Alain, c'est une analyse de l'antiphilosophie, et on dira, oui, il y a une théorie politique, il y a une doctrine politique, démocrate, de gauche, républicaine. Ou bien on pense que non, c'est le travail de la philosophie de se confronter à ce qui n'est pas philosophique, de reconnaître ce qui n'est pas philosophique et de le prendre pour objet philosophique. Je remarque simplement qu'à l'exception de la guerre, Alain n'a pas écrit de traité philosophique sur la politique, alors qu'il l'a fait pour d'autres sujets. Que la politique, elle se donne dans ses chroniques qu'il appelle les propos, qui sont une œuvre énorme, intéressante, systématique. Là encore, il y a une théorie politique tout à fait solide chez Alain. Mais, à mon sens, c'est une question passionnante qui n'a probablement pas de réponse directe, mais dont le débat est particulièrement révélateur chez Alain.